Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Voici Saint-Guilain. À droite, l'ancien clocher. À gauche, la nouvelle église. Saint-Guilain est une localité de 4200 habitants entre Mons et Tournai, naguère traversée par la Haine. Attention, la Haine, c'est un cours d'eau qui a donné son nom au Hainaut. Saint-Guilain est le cœur du Borinage. L'origine de la ville est liée à l'aventure missionnaire de Saint-Guilain. Né à Athènes, au pied de l'Acropole, vers l'an 600, Guilain cherche un maître spirituel. Il devient moine selon la règle de Saint-Basile en habit blanc, pèlerin à Rome, puis en Belgique. Il arrive d'abord à Mons, où il élève un oratoire. Des faits merveilleux émaillent la vie de Saint-Guilain. Au cours d'une partie de chasse du roi Dagobert, une ours, représentée à la gauche de la statue, se réfugie sous ses vêtements pour se protéger des chiens. Elle emporte ensuite la corbeille des vêtements sacerdotaux de Saint-Guilain qui, guidé par un aigle à sa droite, va les récupérer dans un repère. Guilain, déjà reconnu comme homme de Dieu par ses contemporains, y voit un signe du ciel. Il décide de se fixer à cet endroit. Guilain bâtit un humble oratoire, puis un monastère, qui deviendra en 635 la puissante abbaye où Saint-Guilain mourra vers 684. Les paysans viendront s'installer autour de l'abbaye sous la protection des moines. Ainsi naîtra la ville de Saint-Guilain. Elle connaîtra une histoire mouvementée, marquée d'épidémies et de destructions guerrières. Ici, l'église de Saint-Guilain, dessinée au milieu du siècle dernier. Gravement endommagée par le terrible bombardement allié du 1er mai 44, elle sera remplacée en 1968 par l'église actuelle. Bientôt, cependant, on viendra de partout prier auprès des restes de Saint-Guilain. Des miracles lui seront attribués. Après la destruction de l'abbaye à la Révolution française, le pèlerinage s'établira dans l'église paroissiale où nombre de papas et mamans viennent prier pour leurs enfants. Ils le font, ils font de leurs enfants des membres de la confrérie approuvée par le pape en 1122, et dans ces registres sont inscrits, je cite, « les enfants royaux, Joséphine Charlotte, Baudouin et Albert ». Et aujourd'hui encore, le curé de Saint-Guilain reçoit un abondant courrier de Belgique et de l'étranger. Saint-Guilain est invoqué pour les maladies nerveuses et les convulsions chez les enfants. Le clergé oriente les fidèles vers une pratique des vertus évangéliques. C'est en cette église Saint-Guilain et devant notamment les reliques et les statues du saint fondateur de la ville que nous allons assister au retour de la relique et à la suite de la procession de ce matin à l'occasion de la fête patronale qui a eu lieu mercredi dernier. Avec la communauté paroissiale, nous assistons à la messe du 28e dimanche de l'année sur le thème de l'appel du Christ. Dieu nous accueille en sa maison. Approchons-nous de sa maison.
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce souhait, nous vous l'adressons à vous, pèlerins de Saint-Guilain et membres de notre communauté paroissiale, qui avez aujourd'hui le privilège d'animer la prière de tant de chrétiens incapables de se déplacer. Et nous vous l'adressons à vous, chers téléspectateurs, pour qui la messe télévisée est souvent un moment de prière recueillie et fervente, source de réconfort dans la souffrance physique et morale. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa parole. Tout à l'heure, l'Évangile nous racontera la rencontre de Jésus et du jeune homme riche qui, impuissant à répondre à l'invitation du Christ, le quitte, sombre et tout triste. Accueillons généreusement les appels du Seigneur et que notre cœur soit dans la joie. Bien souvent pourtant, au regard d'amour que le Christ pose sur nous, nous opposons le refus de notre orgueil, de notre égoïsme, de notre faim de jouissance. Confessons ici que nous sommes pécheurs. Et dans la reconnaissance pour sa miséricorde, demandons à Dieu pardon pour nos péchés. Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à nous te rendons grâce.
prions ensemble. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La seule véritable richesse, c'est la sagesse, reflet de Dieu lui-même. Écoutons-le. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Oh,
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond : « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La rencontre de Jésus et de cet homme riche et jeune, en tout cas selon l'évangile de saint Matthieu, est une amorce idéale pour une réflexion sur la vocation religieuse. Et nous ne manquerons pas tout à l'heure de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Mais on peut néanmoins se demander s'il est vraiment ici question de l'appel particulier à s'engager à la suite de Jésus par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Une vocation donc exceptionnelle, à un état de vie pas ordinaire. Ne peut-on songer plutôt aux appels que le Seigneur nous adresse à tous quotidiennement ? Nous optons, si vous le voulez bien, pour cette deuxième interprétation. C'est en effet bien plus interpellant pour nous. S'il s'agit des appels quotidiens du Seigneur, nous sommes alors, vous et moi, tous concernés et à tout moment. Considérons d'abord l'interlocuteur de Jésus. C'est un personnage complexe, assurément, même à la limite ambigu. D'une part, humble, dans une certaine mesure du moins, confiant et honnête, puisque en posant sa question, il est sincère. La suite le prouve. Il s'éloignera tout triste. Il est en même temps, d'autre part, très sûr de lui et imbu de sa perfection.
Ne trouve-t-on pas dans sa réponse « J'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse » ne trouve-t-on pas un certain écho de la prière de ce pharisien qu'une parabole met en scène avec un publicain? Au fond, c'est bien nous, c'est bien moi, cet homme. Il a peut-être ses élans de générosité, mais il est conscient d'avoir de la vertu. Il le sait, il le dit, il en est satisfait. Il est attaché, plus encore qu'à ses richesses, il est attaché à ses mérites, à ses certitudes, en un mot, à lui-même. Tournons-nous maintenant vers Jésus. Il voit le fond des cœurs. Il pose sur le jeune homme un regard d'amour. Parce que c'est une âme généreuse ? Peut-être. Il me semble plutôt que Jésus, surtout, a perçu sa faiblesse. Mais il ne le juge pas. Il ne lui fait pas de reproche. Jésus est venu, non pas nous condamner, mais nous sauver. Il veut éveiller, provoquer son interlocuteur à un retournement complet. Le jeune homme a observé tous les commandements depuis sa jeunesse. Eh bien, maintenant, il lui faut s'efforcer d'être fidèle à toutes les exigences de l'amour. Le Seigneur l'invite à la pauvreté, au dépouillement. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ce détachement a renouvelé toujours de nos richesses, mais aussi et sans doute plus encore, de ce que nous croyons être nos atouts personnels, nos ressources humaines. Ce détachement nous rend libres pour suivre d'au plus près notre Maître. En passant, remarquons-le, ce dépouillement que le Christ propose, il le vit lui-même avec une tragique intensité. Au moment où le jeune homme l'aborde, Jésus se mettait en route vers Jérusalem pour y souffrir sa passion et se laisser clouer, nu, sur le bois de la croix. Mais l'exigence de ce renoncement paraît au jeune homme dépasser ses forces. Il se retire. Sombre, il se retire sombre et tout triste. Qu'est-ce qu'il est devenu par la suite? On n'en sait rien. Pourtant, certains commentateurs, je ne me souviens pas où je l'ai lu, suggèrent que ce jeune homme, ce serait l'évangéliste Marc lui-même. S'il en est vrai, ne doutons pas de toute façon que la rude pédagogie du Christ peut agir à échéance. Et Jésus reprend. Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, stupéfaits et déconcertés, interrogent. Mais alors, peut-on être sauvé? Impossible, ose dire Jésus, et de manière catégorique. Mais pour ajouter aussitôt, Dieu, lui, peut tout. On est sauvé, voyez-vous. On entre en plénitude dans la vie même de Dieu par grâce. Par grâce. La vie divine ne se conquiert pas,
ni par une fidélité exemplaire à la loi, ni par quelque autre performance humaine. On la reçoit. On la reçoit dans la foi, dans la confiance en Dieu. Notre part, c'est de nous présenter les mains vides, sans autre richesse que notre pauvreté, sans autre capital que notre confiance aimante en Dieu. Rappelons-nous la fin de l'évangile de dimanche dernier. Comme des enfants. Tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Dieu est créateur. Si tu crois dans ton cœur qu'il fait l'homme à son image, alors tu seras sauvé. Tes mots que la mort est vaincue. Si tu crois dans ton cœur que tu ressusciteras, alors tu seras sauvé. Aime. Humbles et pauvres, c'est en toute confiance que nous lui adressons notre prière. À cœur la justice et le souci de l'homme, en particulier du pauvre et de celui qui souffre. Prions le Seigneur. Aux appels de l'Évangile, et pour nos communautés et nos familles, qu'elles soient des lieux d'entraide, de partage, de communion. Prions le Seigneur. Appelés au sacerdoce, à la vie religieuse,
ou à une responsabilité d'animation dans l'Église, qu'ils aient la force de s'engager sans regarder en arrière. Prions le Seigneur. Très bon, accorde-nous d'être disponibles au souffle de l'Esprit, de suivre ton Fils Jésus sur le chemin du salut et de répondre avec joie à ses appels. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez remarqué que l'Assemblée participe merveilleusement au chant de cette célébration. Elle est entraînée par la chorale paroissiale, renforcée par la chorale du Val d'Aisne. Aux orgues, nous entendons M. Daniel Martin. Je dois aussi signaler que, en plus du curé célébrant, qui est à la tête de la paroisse depuis 3 semaines à peine, certains chants ont été entonnés par l'ancien curé de la paroisse, l'abbé Roulette. Ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Il sera Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste. Il est bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec saint Martin et saint Guilain, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement d'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
En ce dimanche de l'année, la liturgie nous fait méditer le psaume 87. Seigneur, qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour. Je tends les mains vers toi. Avec les mots que propose le cardinal Danels. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, tu continues à nous appeler et tu dis à chacun de nous, viens et suis-moi. Donne aux jeunes la force de dire oui pour se consacrer à toi, entièrement et sans partage, comme prêtres et diacres, ou comme religieux et religieuses dans ton Église. Envoie ton Esprit Saint en abondance sur tous ceux et celles qui sont à l'œuvre dans la catéchèse, les écoles et les mouvements. Suscite dans nos familles et dans nos communautés beaucoup d'hommes et de femmes qui collaborent à l'œuvre de la nouvelle évangélisation. Comble de joie les laïcs chrétiens qui se donnent à leurs tâches partout dans le monde. Vierge Marie, par ton oui, tu as montré la route à tous les appelés. Prie pour nous,
pour que notre cœur et notre esprit soient ardents pour accomplir tout ce que le Seigneur nous dira. Amen. Prions encore ensemble. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.